je sers à la section technique de l'armée de terre française, la STAT, qui sert à exprimer un besoin, suivre le développement et vérifier la bonne adéquation du produit aux besoins pour les forces. Donc le Griffon est un véhicule transport de troupes qui est la première brique du programme Scorpion. Le programme Scorpion, c'est l'aboutissement du combat collaboratif grâce à l'électronique et différents éléments que nous allons décrire. Donc le Griffon, à proprement parler, est un véhicule transport de troupes qui sera décliné dans plusieurs versions sur lesquelles nous reviendrons. Le Serval sera son petit frère dans les armées françaises à partir de 2022. Il a les mêmes fonctions pour être déployé en urgence, donc pouvoir en mettre deux dans un A400M, là où nous ne mettrons qu'un seul Griffon. Le Leclerc rénové, c'est notre char de combat français. Il y aura par la suite un véhicule plus petit qui pour l'instant est connu sous l'acronyme VBAE. Pour la France, c'est une commande de 1872 véhicules qui a été passée, que nous recevrons d'ici 2030. Ce véhicule se décline effectivement en plusieurs versions, dont la version véhicule transport de troupes que je vais décrire là, qui elle-même se décline en quatre sous-versions. La version félin, la version section de tireur d'élite, la section missile moyenne portée et la version ravitaillement. Nous avons d'autres versions que ce VTT, la version génie, la version PC, donc poste de commandement, la version véhicule d'observation de l'artillerie, VOA, ainsi qu'un véhicule sanitaire. Nous aurons par la suite des versions NRBC et il y a effectivement en développement une version de mortier embarqué. C'est un véhicule qui est nativement fait pour résister à la première menace que nous rencontrons ces dernières années, c'est-à-dire les mines et les explosifs improvisés. Donc, que ce soit la forme de la caisse, la manière dont il a été construit ou l'aménagement intérieur que nous verrons, il est particulièrement adapté à combattre cette menace et donc à protéger nos soldats. Ensuite, c'est un véhicule qui fonctionne par kit, c'est-à-dire que pour toutes les missions, tous les accessoires ne sont pas nécessaires. Nous avons par exemple le tourello téléopéré, sur lequel je reviendrai, des moyens d'observation comme le mât qui porte la caméra Antares, ou à l'arrière du véhicule, le système de localisation acoustique SLA. Nous avons également sur ce modèle, sur le rebord du véhicule, des caméras que nous appelons caméras proximales, qui complètent la caméra arrière. Vous avez donc à l'intérieur du véhicule, autant une vision sur 360 degrés à proximité du véhicule que beaucoup plus loin. La motorisation a été réalisée par Renault Truck Défense, désormais appelé Arcus. Le moteur est donc un moteur Renault de 400 chevaux qui permet d'atteindre une vitesse sur route de 90 km/h et pour l'instant nous nous limitons à 45 km/h en tout chemin. L'autonomie est de 800 km pour un réservoir de 400 litres, donc une consommation de 50 litres au 100. C'est donc un véhicule 6-6 dont le train avant et le train arrière sont directeurs. Cela nous permet d'avoir un rayon de braquage très court, de l'ordre de 8 mètres. Ce véhicule étant particulièrement blindé, nous avons une assistance électrique pour l'ouverture des portes. La poignée qui est là, c'est une poignée de verrouillage. Malgré tout, l'ouverture et la fermeture est assistée. Elle est évidemment, en cas d'urgence, débrayable. Nous avons des coffres à l'arrière du véhicule où la protection NBC. Vous voyez que la rampe est également assisté, même si là encore, nous avons un système de sauvegarde, en l'occurrence une porte à ouverture manuelle. Vous aurez plus précisément une vue d'une des caméras, la caméra arrière, qui est présente sur tous les véhicules, et sur le système de localisation acoustique que vous avez là-haut. Puisque nous sommes même en Belgique, vous pourrez noter aussi l'armement individuel arrière que nous avons et que vous connaissez bien. Donc à l'intérieur, vous pouvez voir au-delà des sièges suspendus et d'un plancher qui est fait pour encaisser les ondes de choc dues aux explosions, des housses qui nous permettent de ranger les armes en vis-à-vis. Pourquoi ? Pour éviter de prendre un quelconque projectile dans la figure si jamais il y a une explosion. Donc ce véhicule, il y a une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place. Il y a donc 8 personnels qui sont destinés à débarquer. Le chef, donc, qui a un siège devant les écrans que vous entreapercevrez. Nous avons 7 personnels sur les sièges arrière. Tout cela débarque. Le pilote qui est à gauche, le tireur qui est à droite, eux resteront toujours dans le véhicule. Le tireur, le chauffeur ont vu sur les caméras proximales
et peuvent choisir d'avoir une vue sur à moyenne portée grâce à la caméra Antares. Le tourello téléopéré choisi par la France est produit par Arcus qui réalise également la motorisation du véhicule.